Cal, Sophie, Laurence et Marc se posent de nombreuses questions sur la maîtrise de la consommation d'énergie de leur logement. Pour leur répondre, nous sommes allés interroger Patricia Ernaud, en charge de l'information du public à l'ADEME. Moi, je rénove une maison construite en 75 et elle n'est pas du tout isolée, donc je ne sais pas par où commencer les travaux. Il est vraiment très important que vous isoliez votre maison. Donc la première chose à faire est d'isoler le toit, puis le mur, et enfin, vous pouvez installer un système de double vitrage. Vous pouvez vous renseigner dans un de nos espaces info-énergie dans lequel vous pourrez avoir des conseils personnalisés par rapport à votre habitation. Ils sont nombreux et sont installés partout en France. Je me chauffe au fioul et le fioul, ça a vraiment beaucoup augmenté. Donc je voudrais savoir les options qui s'offrent à moi pour changer de mode de chauffage. Vous pouvez opter pour une chaudière à bois et ainsi stocker des granules ou des plaquettes de bois à la place du fioul. Ensuite, vous avez l'option chauffage solaire. Vous installez des panneaux solaires sur votre toit que vous reliez à un ballon d'eau chaude ou à des serpentins installés dans votre sol. Et enfin, vous avez la géothermie ou aérothermie. La pompe à chaleur géothermique profonde sert à chauffer l'eau de la nappe phréatique. De surface sert à chauffer l'air qui est contenu dans votre sol. Et enfin, la pompe à chaleur aérothermique sert à chauffer l'air extérieur et la propulser à l'intérieur de votre habitation. Est-ce qu'on peut utiliser des énergies renouvelables partout en France ? Tout à fait. Vous pouvez utiliser des énergies nouvelles et renouvelables partout en France. Pour le chauffage au bois, il est quand même conseillé d'habiter dans une région boisée. Par contre, pour le solaire thermique et le photovoltaïque, vous pouvez utiliser le soleil partout en France. En termes de photovoltaïque, il faut bien comprendre que ce n'est pas l'ensoleillement qui est important, mais la lumière de la journée. Et enfin, la géothermie, vous pouvez l'utiliser partout en France, il n'y a vraiment pas de contre-indication technique. En fait, je voudrais savoir comment peut-on choisir un professionnel pour nous installer chez nous un système qui fait appel aux énergies renouvelables. Vous pouvez trouver un professionnel grâce à l'association Qualité ENR qui est soutenue par l'ADEME. Cette association a mis en place trois certifications, Qualisol pour le solaire thermique, Qualipv pour le solaire photovoltaïque et Qualibois pour le chauffage au bois. En ce qui concerne le chauffage géothermique, vous avez aussi la qualification Qualipac qui a été mise en place par l'AFPAC, à l'Association française pour les pompes à chaleur. Si vous faites appel à ces professionnels, vous avez l'assurance d'avoir une installation de qualité avec des produits certifiés.